Voilà, mes chers amis, un grand bonjour. J'avais envie de vous partager ce moment. Je mets mon écran, hop, comme il faut. Voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ce grand bonheur, ce grand instant présent, pour vous dire un peu ce qui se reçoit, ce qui se vit, ce qui se touche, ce qui, qui ne peut pas s'expliquer. En tout cas, le grand retournement de l'humanité est annoncé, il est même commencé, c'est le message que j'ai reçu lundi, c'était en début de semaine. Voilà. Le 8 mars, c'est la pleine lune, même si je ne suis pas très versée dans cela, était d'une grande puissance pour ramener justement à cette grande ouverture de conscience. Enfin, c'est tombé, on va dire, à ce moment-là. Il n'y a pas toujours des explications à donner, c'est juste vivre la réalité et se laisser traverser par elle, surtout. Et elle nous invite bien à cela par le grand vent qu'elle nous envoie, qui, le vent, nous invite justement à ne plus retenir ni à garder quoi que ce soit, d'ailleurs. C'est comme une mise à nu de tous les êtres et également, effectivement, tous les vieux dossiers qui ont été mis sur les piles mais remis en dessous ne vont plus être remis en dessous. Donc, effectivement, tout remonte de l'ombre à la lumière. Voilà, même si rien n'est jamais séparé, mais c'est comme si, en fait, la face de l'iceberg caché était remis en lumière ou remontait à la surface de la Terre. Voilà, ben, tout est parfait, j'ai envie de dire, dans le sens absolu, bien entendu, mais il y a sûrement peut-être que cela d'ailleurs, donc le grand retournement de l'humanité, cela veut dire, voilà, je vais laisser passer, ce sera, même si j'ai reçu un message le 8 mars de 30 minutes dans la nuit, là, à 3h du matin, mais bon, je suis quelqu'un qui a besoin de temps. Je sais pas, j'aurais pu avoir un animal totem comme l'escargot. Je pense que ça m'aurait bien été plutôt que l'écureuil rapide comme la lumière. Voilà, donc je vais laisser se dire les choses simplement. En tout cas, il y a un grand retournement et un grand ressourcement en chacun des êtres maintenant, car cela s'adresse à toute l'humanité. Il n'y a pas d'exception, je vous le dis en vérité. Cela n'appartient qu'à vos règles de grammaire d'un temps passé. Le temps des exceptions est terminé et hop, bien aimé. Lorsque je vous parle ainsi, comme cela, à travers Selena, c'est que la joie est dans l'air, je vous le dis déjà, car vous êtes constitué en priorité de cela, de la joie et de l'air que vous respirez ou qui vous respire comme il se doit. Alors reçois et hop, je te l'envoie. Il ne s'agit plus de forcer, de chercher à respirer, mais de laisser cette respiration de la vie vous prendre, vous saisir, vous porter, vous traverser et faire que le son de l'unique soit ainsi donné pour le cœur de tous les magnifiques que vous êtes en vérité et hop, il vous est donné. Il vient en ce jour se manifester par le vent de l'amour et le cœur de l'amour de cette bien-aimée que vous êtes tous en vérité. Car il n'y a à vrai dire que cela, on a beau chercher ce qui va, ce qui ne va pas, tout par le champ de conscience de l'amour universel est porté en cela. C'est pourquoi je vous dis danse la vie, danse la joie, danse comme le font les petits canards et les mouettes sur l'océan de l'infini. Elle danse et se laisse porter par la grâce de l'amour béni qui les porte et les transporte depuis des vies et hop, c'est ici. Il est entendu et reconnu que cela va de soi en soi, que le temps de l'amour est toujours là et que celui de la lumière descend tout droit sur tous les êtres de la terre au cœur de joie. Mais tous les êtres ne sont-ils pas cela? Qu'ils le vivent ou pas, cela retentit en cet instant et grandit dans le cœur de cet enfant pour vous le rendre tout le temps, car à travers elle, c'est la joie qui danse et chante tout le temps. Alors à cela je vous conduis, sans possibilité de changement, car il n'est plus temps de retourner en arrière, je vous le dis depuis longtemps, le temps de la retraite est terminé, il ne faut plus manifester, car le grand œuvre de la vie est demandé pour à toutes et tous le réaliser et faire de ces instants d'amour et d'opportunité un champ de vie, un champ d'unité, un champ de communion de cœur où la joie de vivre va se poser et où la grande joie de l'être
être va se retrouver. Par le souffle de l'esprit, je retentis. Par le souffle de l'amour, tout s'accomplit et vient vous visiter dans ces vies, dans ces temps de manifestation. Entrez dans la relation de l'amour infini et soyez le sourire du cœur qui s'établit et retentit et vient déverser dans les autres cœurs l'amour infini que je suis. À ce grand jour, je vous relis et hop, il est ici. Il ne faut pas attendre des siècles de vie, je vous le dis, que ni cela dans cette vie. Le temps de l'amour est ici, le temps du retournement se pose aujourd'hui pour vous porter haut jusque dans votre soleil de vie et permettre au soleil de la terre de remonter pour que le vôtre même se soulève de lui-même en vérité. Vous êtes le grand, je vous le dis, vous êtes le grand tout qui rassemble tout en vous, je vous le dis. Alors laissez-vous porter par cet amour infini et soyez le géant de lumière que vous êtes ici, inscrit dans la divine matière qui est ici. Au temps des baleines, je vous relis, car celle-ci vous rend à la beauté et à la puissance de la vie, à l'amour infini que je suis et que vous êtes ici. Regardez la beauté inscrite dans la matière, je vous le dis, qui permet à celle-ci de devenir lumière en un instant de vie. Et hop, elle est ici. Laissez-vous porter et transporter par cet amour dans une infinie tendresse et beauté, car toutes les portes du monde vont se pousser pour rendre aux êtres de la terre la beauté qu'ils sont et ont toujours été. À la grande mère universelle, cela est rendu et donné, car le souffle de son soleil sur la terre s'est posé, pour rendre à ses enfants l'amour et la beauté, la joie et la vie, l'expression de tout ce que je suis, dans cet amour et harmonie infinie qui permet à la terre de se renverser en elle, je vous le dis, et de laisser le plus beau cantique se réaliser aujourd'hui. Vous êtes là et le magnifique de la vie, alors permettez à la magnificence de se poser et à la prise de conscience que tout est un de se manifester. Par le cœur de la vie et du monde, je vous rencontre en vérité, par le cœur de toute l'humanité réunie en celui-ci bien-aimé, je vous plonge en mon cœur d'amour et d'unité pour vous sentir aimé, pour vous sentir l'amour incarné et le soleil qui ne demande qu'à briller. De ces filles mille feux de lumière et de beauté, à la paix de l'éternel je vous conduis, à l'amour de l'infini je vous relie, car lorsque le silence se pose en vos cœurs de vie, c'est la seule présence qui se manifeste et s'ensuit et rend au monde la beauté de la vie et rend au monde la beauté de ce qu'elle est ici, l'amour infini. Et hop, je vous reçois en ce jour de vie, car un saut quantique je vous rends aujourd'hui. Cela se réalise à chaque instant que vous m'entendez à travers le cœur de cet enfant et que vous m'entendez en vous-même, vraiment, et hop, dedans. Écoute, reçois et entends ce que je suis dans la profondeur de ton souffle vraiment, le souffle du vivant, le souffle tout-puissant, qui transforme tout en un instant, dès que tu dis oui à celui-ci, dès que tu te reçois dans la conscience du cœur que tu es aujourd'hui. À l'amour infini, je te conduis. Fin de doute, de peur et d'ancienne vie, bienvenue à celle d'aujourd'hui, qui te remplit d'amour, je te le dis, car tu es celui-ci. À la divine naissance de ton être, je te renie, elle est aujourd'hui. Enracine-toi dans celle-ci, car c'est au cœur de cette densité que je m'inscris aussi. Laisse danser dans la matière la vie, laisse danser dans la lumière ce que je suis, qui n'est que toi, je te le dis. Et hop, la vie. Youpi, je te dis à travers ce nana qui saute d'amour, de tendresse, de lumière et de joie, et qui joue au jeu de la marelle parfois, car parler du ciel est impossible en soi, mais le vivre sur la terre s'inscrit dans le jeu de la marelle qui est là, et hop, dans celui-là. De la terre au ciel, il n'y a qu'un pas, et du ciel à la terre, je te reçois, alors dépose-toi dans ce jeu du merveilleux en toi, et sois le magnifique que tu es déjà. La splendeur du ciel et de la terre en toi, la splendeur du merveilleux toujours te reçoit. Écoute, entends et sois.
Le souffle de l'amour s'inscrit en toi dès que tu te réunis, dès que tu te rassembles en toi dans cette vie. C'est le son de l'amour qui s'ensuit et s'inscrit dans toutes les cellules de ton être ici et dans toutes les cellules de la terre aussi. Alors à l'unité je te conduis, car tu es celle-ci et invité à la vivre aujourd'hui. Grand jusqu'au ciel, tu es enfant béni, reçois de ce ciel l'amour infini et l'étoile qui brille dans la nuit, qui n'est que le cœur de la grande mère, je te le dis, et qui te ramène au tien propre aujourd'hui. Dans la matière, elle s'inscrit pour rendre tout possible aux êtres, je te le dis, et les ramener à la paix infinie et à la joie d'être ce qu'ils sont aujourd'hui dans la matière. Ici. Non prisonnier de cette dernière, je te le dis, mais libre de tout aujourd'hui, par-dessus tout, aime la vie et aime ce que tu es aussi. Sans restriction, cela t'est donné, car le temps des restrictions est terminé. Regarde les sourires d'amour et de lumière que tu peux croiser dans tous les êtres qui vont bientôt manifester. Laisse cela grandir et œuvrer, et au nom de l'amour, avance en vérité pour laisser la grande conscience de la vie œuvrer dans tout ce qu'elle a à faire et à poser. Reçois la beauté et l'unité de conscience portée par le cœur de tous en vérité. À la grande source, les êtres sont reliés et invités à se connecter. Tout se passe sans que rien ne se comprenne en vérité, car le temps des compréhensions a été posé. En ce jour, l'incarnation de la vie et de la joie vous est invitée, et le grand tout ouvre toutes les portes, bien-aimés, car le monde est prêt à sa grandeur, à sa beauté, et tu l'es en vérité. Laisse-toi par cela toucher et traverser, car le grand bonheur d'être incarné se retrouve en vérité pour laisser toutes les louanges de la vie œuvrer et se chanter par toutes les voix que la terre compte en vérité. De toute la terre et de toutes ses collines, les champs de lumière vont jaillir et se poser, car c'est le peuple unitaire qui se retrouve en vérité, non enfermé, mais accueilli du grand cœur de vie que tous et chacun est. Ici, qui constitue l'unité de vie bénie. À mon grand cœur, je te renie, celui de l'amour infini que tu es et qui vibre en toi depuis des vies. Sois celui-ci et rayonne de ce que je suis, l'amour infini, qui dans la matière se traduit par la joie d'être sur terre. Et la tendresse aussi resplendit et retentit de toutes ses formes bénies que l'amour prend dans la matière, je te le dis, et dans laquelle je m'inscris aujourd'hui. Relation nouvelle de cœur s'ensuit, car le cœur sans condition s'ouvre à l'infini et reçoit tous les cœurs de vie que les êtres sont autour de lui. Il n'y a que lui. Béni sois-tu, enfant de vie, et bienvenue sois dans ce cœur d'amour et de lumière. Aussi, à être et à aimer, je te conduis. Joue, danse et chante la vie qui saura t'honorer en toute part et toute partie de ton être. Et de ton corps béni. Tu es grande et grand jusqu'au ciel, je te le dis. Tu es le grand qui s'inscrit dans la vie et le tout petit se retrouve en lui. Et hop, la vie retentit et s'incarne ici. Loué sois-tu dans cette vie. Et bienvenue sois aujourd'hui, porté par le chant de l'Éternel,
que tu es aussi, je te reçois dans le cœur du ciel et de celle qui est ici, la mère infinie, la grande mère qui a tous ses enfants, sourit et invite à poser le pas de vie à la joie d'être. Elle te conduit, tu es béni. Un grand souffle souffle et s'apaise aussitôt, je te le dis, car porté par le cœur du très haut et du très beau, il est ici, l'amour infini, dans la paix et la joie de ton être béni. Reçois l'élan de vie. Écoute enfin ce qui est dit. Et sois la vie, l'incarnation de celle-ci, la vie. Obéis juste à l'instant qui te saisit, car par le cœur il est véhiculé ici. Artisan de cœur, tu es sur cette terre de vie, alors œuvre dans cet amour infini et dans la joie d'être ici. C'est une rencontre de cœur avec toi et le monde qui s'ensuit. Jardinier de cœur, je te fais aujourd'hui. Et jardinière aussi. Un océan d'amour s'ensuit retenti pour tous les êtres de la terre et de l'univers aussi. Il est la lumière qui porte tous les êtres, je te le dis, et ouvre toutes les portes ici. Reçois la vie et sois celle-ci. Pas de déshonneur, je te le dis, juste le bonheur d'être ici, en vie, riche de tout, je te le dis, et par-dessus tout, de tout ce que je suis, la vie. Laisse la sensibilité et la subtilité de la vie te porter et t'entourer, car l'amour se sent et se touche à chaque instant. Il se savoure infiniment dans tous les instants que tu traverses maintenant, car il n'y a que cela, je te le dis vraiment. Tu es prêt à l'entendre, à l'écouter, à le vivre, à le goûter, à le savourer, à le rayonner, en osant juste la joie de la vie toucher, réaliser et être ce que tu es de toute éternité, le souffle d'amour tant aimé. Et hop, il t'a donné. Reçois-le, bien-aimé. Cela bouge un peu, il faut bien l'avouer, et cela va bouger, je te le dis en vérité, car la vie est ce mouvement perpétuel qui ne saurait s'arrêter, mais le souffle de celui qui est demeure ici et maintenant posé dans le solide et l'ouverture en vérité, dans la puissance et l'amour conjugués, dans la puissance et la douceur manifestée que le chant des baleines saura toujours donner. Ose écouter ce chant de l'infini, beauté et tendresse manifestée. Reçois, il t'a donné.
une rencontre de cœur, tu es invité, celle que tu es en vérité et du monde qui t'a donné. Le rideau s'ouvre et s'offre pour laisser une beauté transparaître et se manifester dans la surprise de toutes et de tous en vérité. Le chant de la source sait se dire et se vivre en vérité de toutes les manières qui soient possibles à la terre en vérité d'incarner, car tout cela se glisse dans le corps et dans le cœur de tous bien-aimés et prend toutes les formes nécessaires à la réalisation du temps sacré. Nous l'avons dit, le féminin est posé dans cette actualité du mois de mars bien-aimé, la fête du féminin sacré que tous les êtres portent au fond d'eux en vérité. Cela nous pose plus femmes et hommes bien-aimés, mais rassemble les deux sexes que l'on dit opposés, qui sont unis par le souffle de la vie et le souffle du féminin sacré que la mère universelle incarne en vérité et rayonne de son soleil de beauté. Un émerveillement s'ensuit, cela fait cela dans les hauteurs de la vie pour se faire rencontrer ce qui semble opposé et unit tout cela en vérité, qui n'est qu'un cœur de vérité, de tendresse, de beauté et d'unité à retrouver. Ose le toucher et le goûter au fond de toi et ose le souffle de l'esprit te laisser traverser cette foi sans rien faire ni chercher, mais en laissant jaillir ce qui sera en vérité nécessaire à la terre, bien aimé, et aux êtres incarnés. Reçois les noms de vie et d'unité et sois porteuse et porteur de cela pour que le grand cœur de l'amour universel se révèle en tous. En toi, car tu es celui-là. Sois et reçois en avant toute, je te dis, tout droit. Relation de tendresse et de douceur s'ensuit pour toi. Elle est ici, aujourd'hui, en toi. Reçois. Et hop, tu es celle-là. Portée par la joie universelle qui est là. Reçois. Le vent de l'amour et celui de la joie. Et le temps de ce même nom en toi. L'enfant du soleil est là. Tu n'es au plus profond de toi.